Je crois que c'était un truc pour acheter. Je vais continuer à me balader un petit peu avant. Ouais, on voit que tout est en construction, quoi. C'est... Ah bah ça, c'est... Ah bah c'est le gros chantier, là, hein. C'est... Fou. Là, la DDE, ils ont du boulot, hein. Je suis tellement passionné par l'univers étendu d'Olidri que j'écris des fanfictions racontant les aventures de mon avatar. Putain, heureusement que je fais pas ça, moi. Ah, et c'est ici même à Dunkill que j'ai rencontré les membres de la guilde Noob. On était sur l'intrigue du continent sans retour. Je pensais pas qu'on deviendrait pote à la compote. Pote à la compote. Ouh, il y a des niveaux d'humour que je n'ai pas encore atteint. Là, j'ai un problème de skill en humour. Là. Bah voilà! Je savais bien que les poissons panés, en fait, ça vivait dans l'eau. Il y a des poissons bizarres. Hein. Ouais, toi, tu vends les potions. Est-ce que je reprends des potions? Non, c'est bon. Ça devrait le faire. Pendant des millénaires, le continent sans retour était inaccessible. La nature était déchaînée et détruisait tout ce qui s'approchait de ses côtes. J'espère qu'on n'a pas commis une erreur en venant coloniser le continent de Syria. Syrial. Je vous salue, combattant. Attendez voir. Serait-ce un nouveau muscle que je vois là? Je suis fier de vous. Quel entraînement voulez-vous suivre aujourd'hui? Ah. Bon. D'accord. Il a rien à proposer. Je suis triste. Toxicatre. Je viens de terminer le roman 2 de Neogicia. Du coup, je sais déjà ce qu'il va se passer, mais ça me fait quand même tout drôle de côtoyer les avatars des héros de ce bouquin. Ah, encore lui. Mon frère m'a confié le commandement de Dunkill. Jusqu'à ce qu'on découvre cette mystérieuse source d'énergie infinie, je ne reculerai devant rien pour que l'Empire s'en empare avant la coalition. Est-ce que j'ai un peu... Ouais, je peux faire ça. Pourquoi pas. Ça me fait monter un peu mon skill. Non. Je connais cet arc scénaristique par cœur. Cet avatar est mon troisième reroll. Putain. Il y en a, ils sont déter. Bienvenue à Dunkill, je suis Milia Loy, la responsable des communications entre les cités technologiques de l'Empire. Connaissez-vous mon père, Albius? Il travaille au quartier général de Centralis. C'est ici qu'on peut se fournir en armes et en armure. Ouais, bah ça j'avais remarqué, hein, il y a le petit logo. Alors, est-ce qu'ils ont des trucs à fournir? Ah merde, j'ai pas lu. Non, c'est de la merde. Putain. Bienvenue! Oh, ça a l'air bon, ça. Ah merde, c'est une arme à deux mains, mais quel boulet! Oh, je viens de gaspiller du pognon. Oui, je sais. Je suis deck. Mais quel boulet! Oh, mais quel... C'est pas possible! Ah, il est pas vu, il y a une petite porte là-bas. Il manque des portes, j'ai l'impression, hein, sur la carte.
Tu connais toutes les... Je connais, ouais, ok, on connaît. Un jour, peut-être que ce personnage sera utile. La chaleur et le taux d'humidité dans l'air sont redoutables. C'est éprouvant. Bon, on a fini par ici. Pour le moment, Dunkeel est une ville technologique minuscule à côté de Centralis. Mais un jour, elle sera aussi vaste que notre capitale. Oh. Attention. Je vois. Oui? Il voit quoi? Ouais, il voit. C'est bien. Moi, je veux surtout qu'il y a du pognon dans presque toutes les poubelles. J'ai l'impression de jouer à Pokémon. Oh. Ah. Encore du pognon. Yop, je suppose que vous êtes l'équipe de choc qui a besoin de du meilleur explorateur de l'Empire pour partir à la recherche de la source d'énergie infinie dont tout le monde parle. C'est bien ça. Parfait. Je me présente, Raffer Cole, votre guide de luxe. Je vais vous aider à fouiller Cyrial de fond en comble. Cyrial ? Vous n'êtes pas au courant? Nos archéologues se sont rendus compte que c'était le véritable nom du continent sans retour. Depuis que cette partie du monde est accessible, les découvertes fusent dans tous les sens. D'ailleurs, en parlant de découvertes, on a localisé de nouvelles ruines au fin fond de la forêt. Nox Lucans veut qu'on aille les explorer. Vous êtes d'attaque? Yep! Quête acceptée. Avant de partir, prenez ces réceptrons. C'est un dispositif de communication et de collecte de données. On en a tous un, ça permet au centre névragique de compiler des tas d'informations sur Cyrial en temps réel. Vous obtenez 4 réceptrons. Ok. Allez. En route, sortons de Dunkeel. Je veux pas sortir. Ah, il y a une autre quête à côté, mais c'est formidable. Mais avant, je vais aller dans le magasin. Allure. La faute et la... La faune et la flore de ce continent sont très différentes de celles de Chaos. On recense de nouvelles espèces tous les jours. Ouais, c'est normal. Salut, besoin de matériaux? Non. J'espère que tu me vendes des trucs plus utiles, mais bon, tant pis. Hey, moi c'est Néo-Siège. Malgré mon haut niveau de maîtrise et ma classe légendaire de guerrier du crépuscule, bah, je me suis fait bannir de la guilde des dragons obscurs. Ils me font s'en mordre les doigts. Rassurez-vous, je suis pas un gars à problème. C'est juste que mon ancien chef de guilde avait des griefs contre moi par rapport à des histoires sans intérêt dans le monde réel. Et il s'est vengé en abusant de sa fonction dans le jeu. J'ai entendu parler du projet de Spectre qui veut créer une quatrième guilde majeure chez les 100 factions. Mais pour concurrencer les guildes de Justice, Roxor et Pro Game Master, il vous faudra forcément des top joueurs. Si vous m'apportez 3 minerais d'Ethereum, je pourrai améliorer mon arme et envoyer du lourd. Je sais que c'est la matière première la plus rare qu'un mineur puisse trouver, mais j'en ai vraiment besoin. Alors pensez à moi. Ouais, bah on va accepter, hein. Quête acceptée. À mon avis, je pourrais pas l'avoir tout de suite, l'Ethereum. Centralis a été construit au milieu d'une plaine. Dunkeel s'élève en pleine jungle tropicale. Peut-être qu'un jour, une troisième ville technologique sera érigée au bord de l'océan. Un vendeur de peps. Elle est heureuse. Pendant des millénaires, le continent est inaccessible. Ouais, bah ça, on l'a déjà lu. Bienvenue. Bien le bonjour. Oh, poids. Ouais, ok. C'est bogué. Ça va être encore un bug report, ça.
Ce qu'il y a de plus agaçant dans les MMORPG, ce sont les problèmes de connexion. C'est décidé, je vais changer de fournisseur d'accès Internet. Si tu veux. Alors moi déjà, je vais sauvegarder. Ça sera pas mal. Voilà. Puis bah c'est parti, on va sortir de la ville. Découvrir cette nouvelle map. Ouf, je me suis bloqué. Ok. Ah, déjà, on peut remarquer que le continent est beaucoup plus petit. Attends, c'est quoi déjà la quête que je dois faire? Ça serait pas mal de vérifier. Alors, trouver le triangle, non, ça c'est un peu le carnet de journal. Ramener un médaillon, ok. Crafter l'item. Ramener 5 baies d'or, ok. Récolter différents minerais pour... ok. Je peux pas aller sur la dernière quête, d'accord. Et au niveau du journal, explorer la forêt de zone située à l'ouest de Bunkel. Donc ouais, ça a l'air d'être ça. C'est la première forêt. C'est à l'ouest. Ah, j'ai pas vu merde, j'ai pas lu le nom de la forêt. Ouais, c'est la plante, d'accord. Faut être niveau 20 en herboriste, et bah putain. J'y suis pas, hein. Hop, ah, je t'avais pas vu! La fleur, je l'avais pas vu! Ok. Pas d'immunité contre le saignement. Pas d'immunité contre le saignement, super. Non. On va... Ah oui, c'est vrai que maintenant, il y a le marteau. Attaque au marteau possède une chance d'appliquer étourdissement. Ça peut être sympa. On peut faire un petit étourdissement là-dessus. Ah bah non. On peut faire une petite brûlure plus efficace. Voilà. Hop. Après, une grosse vague. Voilà. Et toi, un tir. Boum boum. Oh là. Holy shit! Jette son arme sur un ennemi. La violence de l'attaque. Pas besoin du multi. Maintenant qu'il n'y a plus qu'un seul ennemi. Oh, il a esquivé le salon. Bah, c'est pas cool ça. Tiens, saignement. Allez, la souffrance. Voilà. Ça, c'est fait. Ouais, son gros, le gros couteau là, à fromage qu'il a, c'est, j'aime bien. Ah putain, que 656, c'est triste. J'avais commencé à m'habituer aux 1000 et quelques. Putain, niveau 30 pour avoir ça, t'es sérieux? Vous savez à quoi il me fait penser ce Gori? Dans Digimon. Je crois que c'est Gorimon. Ou un truc dans le genre. Enfin, ça paraît très logique, mais... ouais, il me fait penser à un Digimon. Que ça fait pas du bien tout ça. On va essayer de l'assommer.
Ah, ça n'a pas l'air très efficace hein, pour l'instant d'assommer les gens. Ah mais il a déjà... Je suis con, il a déjà saignement. Je m'embête à lui remettre saignement, mais... Tiens, on va voir. Si je jette mon arme, je la récupère? Ouais. Ok. Un petit éclair avec une petite brûlure. Ensuite, le petit tsunami. Un petit affaiblissement quand même, pour faire plaisir. Il me reste 20 points. Seigneurement, il l'a déjà. Je vais essayer de récupérer de la vie sur son dos. Hop. Il n'y a pas vraiment, il n'y a plus vraiment besoin de faire attention à ce qu'on fait. Hein. Il est bientôt mort. Ouais, bah là, dès que ça va être à lui de jouer, voilà. Ouais, rien d'intéressant par ici pour l'instant. Ok, la porte, enfin l'accès a l'air d'être par là-bas et non, je peux pas. Je peux pas récolter, ça m'énerve. Là, ça non plus. J'esquive, hein, parce que... Ah bah non, je peux pas. Pas vraiment besoin de me battre contre eux. Non, bah là, c'est pareil, je peux pas récolter cette plante-là. Oh, un nouvel ennemi là-haut. Ah bah c'est un loup. Voilà. On esquive les ennemis, hein. Putain, avec les trois ennemis que j'ai esquivés, j'aurais sûrement pu monter au niveau supérieur. Le choix. Mince, faut choisir. Faut aller à gauche ou à droite. Oh la tristesse. Oh! Il y avait une cachette. Bon, c'est encore du pognon dedans, hein, mais. J'étais passé derrière! Ça, je peux pas ramasser. Bon, il y a un point de sauvegarde par ici. Il doit être plus bas, il doit être en bas, je crois. Ah, mais ils sont complètement aveugles, les mobs. Hop, ça, je dis ça, et en fait, non, celui-là, il était pas aveugle. Ok. Eh bah voilà, je te l'ai étourdi. Je vais faire un petit éclair et brûlure sur celui-là. Voilà. Ah, pas de saignement. Mince. Là, du saignement par contre. Et hop. Multi-tranche, multi-brûlure, multi-tranche. Poum. Ok. Ah, le saignement, il est pas cool. Tiens, soigne-toi. Quoi que je dis ça, mais je viens de bousiller la plante de la même manière.
Ah, ça l'a pas assommé cette fois. Ouais, éclair plus brûlure si je... Hop, ok. Ça a été rapide. Ah mais on a passé le niveau, ok. Est-ce qu'on a eu des points de compétence? Un petit point de talent. Oui, un petit point de talent, mais c'est formidable. Est-ce que j'ai des points de talent à... En vrai, ouais, j'en ai plein. Ouais, bah ouais, je viens de passer en mode pistolet et pistolame. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais augmenter? On va augmenter l'armure. La force également. Ensuite, je peux augmenter ma vitesse. Pose une tourelle qui attaque un ennemi aléatoire à chaque tour. Ça, ça peut être pas mal. Voilà. Ensuite, toi, t'as gagné un point supplémentaire. Je vais le mettre ouais, dans les armes. Les armes à une main. Ah ça peut être pas mal, ça peut être sympa aussi. Ok, toi ensuite. Alors, résistance à la magie, je peux l'augmenter. Augmente la régénération de mana et la compétence évocation. On va peut-être plutôt faire ça en fait. Ensuite, toi, est-ce que t'as... Non, non, il faut que je fasse un nouveau point, ok. Attends. La compétence combo a une chance de ne pas consommer la charge sur les cartes. Ah, ça, ça peut être pas mal. Ah, 3 cartes, c'est ça, ça serait formidable. Bon, ça me cramerait mes cartes beaucoup plus vite, mais par contre... Je ferais des combos de fou. Ça, c'est bien, ça. Oh! On va regarder tout de suite ce que ça donne. Oh oui. Oh oui, 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 je dis. Oh, c'est sympa, on dirait... On dirait que Log est devenu un... Un Mouen. Alors, rien d'intéressant par là, ok. J'avais raison, c'était en haut, le... Le checkpoint. Ouais. Pas besoin d'aller vérifier, on sait que c'est là-haut. Ok, et là il va falloir aller là-bas. Voilà les ruines en question. On est les premiers à entrer là-dedans depuis des milliers d'années. Alors il va falloir la jouer serrée. Restez attentifs et faites preuve de prudence. Tout ça pour ça. Ok. Eh ben on va rentrer là-dedans. Hein. On va rentrer là-dedans. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas d'aimer, de commenter. Et puis si jamais t'as envie de voir la suite des vidéos, de t'abonner. Allez, tu peux reprendre une activité normale. Allez-y, cliquez sur j'aime. Et vous aurez du gâteau.